Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Passage au Prestige. Comme prévu, très rapidement après la précédente, pas pour vous peut-être, mais pour moi si. Parce que voilà, j'ai fait ce que de prévu finalement, c'est-à-dire passer le Prestige, bon, en une game, ça s'est pas passé aussi bien que prévu. Mais je l'ai quand même passé très rapidement, voilà. Un peu suite au double XP, parce que du coup le double XP s'est terminé hier, on est mardi aujourd'hui, donc ça va. Tout s'est bien passé. Et j'ai beaucoup de liquide divinium, 17, ça fait un bon paquet, un très très bon paquet, du coup un bon opening. Comme objectif, arrière-goût à creuser à tout, voilà, on va se contenter de ça, ce serait déjà pas mal. Parce que comme 17 de liquide divinium, ça fait pas mal hein, pour le peu de temps de jeu que j'ai joué quand même, durant le prestige. J'ai pas beaucoup joué hein, pour passer ce 35 niveaux finalement, donc ouais, c'est plutôt bon. Allez, go! Oh, deux phénix, ça commence bien, ça commence même très très bien, ça c'est cool. Le petit x2, bon ça, ça on s'en fout mais vraiment bien quoi. Allez, on continue. Cachoterie, c'est pas mal, le liquide vinium, bon ça va encore. Le x2, bon il est toujours là, omniprésent. Ouais. Après, arrière-goût mais il m'en donne jamais hein. Temps à tuer. Bon, mort d'hiver nucléaire, fallait forcément que j'en ai un. Bon, temps à tuer, c'est pas mal. Sinon, bof, sans plus. Ah, il en reste 3. Si on n'a pas en tout cas de liquide divinium en plus, supplémentaire. Ouais, race gratis. Sinon, mais. Il y a des gobble-gum, mais j'ai que ça, on dirait. Qui tient les scores là? Le x2. Waouh! Allez, quoi, arrière-goût, accro les atouts. Moi, j'y crois. Non. Amélioration éphémère, c'est bien pouillé aussi. Là, t'as le x2, du coup, hop là, on t'en donne double ration. Ça fait plaisir, mais non, pas du tout. Arrière-goût. Oh non, enfin si, liquidation, immolation, c'est bien en x2, mais sinon. C'est vraiment bof hein, ce que j'ai eu, hein, rien d'exceptionnel. Bon, temps à tuer, c'est pas mal. Phoenix aussi, race gratis aussi, mais bon. Au-delà de ça, non. J'aurais pu mieux avoir quand même, hein. Petit truc supplémentaire. Je sais pas moi, je sais pas. Du coup, en même temps, d'une pierre deux coups, je vais vous montrer tout ce qui est des gobble gum, combien j'en ai. Voilà, ça monte bien les stocks, ça monte bien hein, quand même. C'est assez raisonnable, mais souvent, bon, les gobble gum pouilles, c'est là où j'en ai le plus. Hein. On est servi. Hein. 18, mort d'hiver nucléaire, 20. Eh, 20, c'est beau ça, ça se fête. C'est une méga, hein. Alors qu'arrière goût, c'est une méga, sauf que j'en ai 0. Tu te demandes pourquoi. C'est bizarre. Après. Temps à tuer 7 aussi. Ça va. Mais bon, j'utilise jamais, donc en même temps, ça descend pas. Donc ça, c'est un peu le truc, tu vois. Et ouais, bon, ça fait une belle collection quand même, c'est vrai, de gobblegum, mais bon. Je préfère avoir plus d'accro et atouts et d'arrière-goût, moi. Une petite connexion. Après, voilà, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Alors du coup, maintenant que l'opening est fait, je vais peut-être vous montrer ouais, la progression des armes, parce que ça aussi, ça a pas mal bougé, on va dire. Les dernières armes qui me restent à monter, ils ont été montées. Donc, niveau des mitraillettes, tout niveau max. C'est cool, ça. Fusil d'assaut, tout niveau max également. Fusil à pompe, tout niveau max. Voilà. Batteuse, tout niveau max. Fusil de précision, tout niveau max. Et secondaire... Pas le couteau de chasse en progression, maintenant que je sais comment on le monte, c'est bien cela, hein, c'est quand en fait vous prenez un tas de zombies, vous avez une arme avec au fourneau, vous tirez sur le tas, et au moment du coup le tas de zombies va brûler, vous cutez, et ça fait XP le couteau. Je sais pas combien il y a de niveau pour le couteau, mais ça risque comme d'être long et un peu chiant à faire, mais bon. J'ai envie de l'avoir niveau max aussi, même si ça change rien, mais pour avoir le 100%, tu vois, c'est bien. Et sinon, les autres armes sont niveau max, dont même le XM53. Et je pense qu'au niveau des justement niveaux, ce sera peut-être pareil que le XM53 pour le couteau de chasse, c'est-à-dire 11 niveaux. Donc je suis pas encore arrivé, hein, mais il faudra le monter de toute façon. Et également après, au niveau du camo case rouge, hein, qui s'appelle, je crois bien. C'est bien cela, on va vérifier sur n'importe quelle arme de toute façon. Il y a sur une arme où je l'ai pas encore, c'est la Pharo. Donc j'ai pas le camo case rouge, donc ça aussi il faut que je le fasse. Ça c'est parce qu'en fait il y a eu le double XP d'armes et je l'ai monté uniquement durant le double XP d'armes. Donc maintenant j'ai la vérification
sûr et certain que le double XP d'arme est en zombie également. Parce que sinon, normalement, j'aurais eu le camo case rouge avant de l'avoir niveau max la pharo, et c'est pas le cas. Donc, c'est clair et c'est net maintenant. Voilà, après pour les kits d'armes, du coup, pour tout ce qui est de la progression des armes, je crois que j'ai fait le tour, on va pouvoir passer le prestige. Hein. Ouais, de toute façon, après, sur ce qu'il y a à dire sur le prestige, il n'y a rien. J'ai joué sur Darius Unrare, j'ai joué sur The Giant, mais rien de plus après. Hein. J'ai rien fait de spécial, donc il n'y aura rien à dire pour cela. Alors, du coup, le prestige, prestige 10, et du coup, c'est la dernière fois qu'il n'y aura pas de gameplay dans les vidéos de passage au prestige en zombie. Parce que maintenant, déjà pour le prochain prestige, normalement, si je me trompe pas, je passerai tout seul en prestige master. Donc, autant que je le montre ça directement, quoi. Donc, voilà. Et après, je ferai les passages au niveau 100, 200, 300, 400. Là, encore une fois, c'est pas toi qui passes le niveau 100, il passe tout seul. Donc, je le montrerai quand je jouerai. Donc, normalement, maintenant, il y aura à chaque fois des gameplays. Plutôt courts, quand même. Parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps, genre 10 minutes le gameplay, et puis après on passera toutes les formalités des détails des statistiques. Voilà. Maintenant que c'est raconté, on passe ce dernier prestige, prestige 10. Enfin. Enfin, même si c'est passé très rapidement, là du coup avec le double XP. Oui, non, j'ai fusé. Il est moche. Il est moche. Non, j'aime pas du tout ce prestige 10. D'ailleurs, j'étais vraiment très déçu quand. J'avais vu que c'était le dernier prestige, ça. Parce qu'avant, il n'y avait même pas le prestige master, ça buguait. Du coup, c'était ça le dernier prestige. Et t'avais pas d'autres icônes. J'étais très déçu parce que moi, j'aime pas du tout. Il est moche. C'est censé représenter le diable, hein, je pense. C'est pas beau. C'est pas beau du tout, tout ça. Voilà, bon, on sait. C'est bon. Normalement, du coup, c'est bon. Voilà, prestige 10. Waouh, prestige 10 maintenant en multi. Et en zombie. Et bientôt, master dans les deux. Alors là, ce sera joli. Bon, du coup, maintenant les statistiques pour terminer tout ça, pour conclure en beauté. Pas grand-chose au niveau de la progression, donc pas de grosse évolution du coup au niveau des stats. Forcément et logiquement. Élimination 151 209 éliminations. 2491 manches survécues, un score de partie moyen d'1 194 660, 27 809 tirs dans la tête, 12 manches moyennes par partie survécue, et un score par minute de 109. Il est un peu baissé, oui, je crois, hein, pour un temps de jeu total de 7 jours, 14 heures, 40 minutes et 54 secondes. Et au total, en comptant également la réalisation des stats, c'est pas là, non, c'est pas dans l'élimination qu'on voit le vrai temps de jeu, je croyais. Non, j'ai pas moyen, je crois, de voir mon temps de jeu. Mon temps de jeu global, tant pis. Ah, d'ailleurs, l'élément permanent, j'ai oublié. Alors, l'élément permanent, qu'est-ce que je vais prendre? Parce que là, vraiment, j'ai rien à prendre. Je vais prendre le Breachy parce que je m'en sers pour Darius Unrare. Peut-être que je ferai une game de Darius Unrare, donc allez, vas-y. Et je serai pas encore au niveau 16, je crois, ou 18, je sais plus. Donc voilà, c'est débloqué. Pour finir avec les stats, au niveau des armes, j'ai un peu joué majoritairement à Aimmaker, Breachy et les armes que j'avais pas encore niveau max, voilà. Donc couteau de chasse du coup forcément. Donc je vous fais quand même défiler ça, mais rien de très très important. Comme d'hab. Hein. Les gobblegums c'est pareil, rien de très très important, mais je fais défiler ça. Comme utiliser 15 accros des atouts, mais ça veut pas dire que j'en ai eu 15, hein. C'est parce que à chaque fois, enfin pas à chaque fois non plus, mais parfois. Je fais quitter l'application, enfin pas quitter l'application, c'est redémarrer la PS4. Comme ça, l'accro des atouts que j'ai utilisé n'est pas réellement utilisé, je le garde. C'est pour ça que j'ai 15 utilisations, mais en réalité, j'ai pas eu 15 accro des atouts. Ah, sinon, j'en aurais de la chance, hein. Ouf, ça irait, le cube bordé de nouilles. Donc, je vous fais encore défiler ça. Il y a certaines gobblegums, même plusieurs, que j'ai jamais utilisées encore. La majorité, c'est les gobblegums d'ailleurs. Qui sont classiques, voilà. Par contre, j'ai vu temps à tuer, j'ai jamais utilisé. Alors que si, je l'ai déjà utilisé une fois. Il me l'a pas compté. Je sais pas. C'était sur Shadow of Evil quand je faisais le secret, d'ailleurs, je me rappelle. Et on avait réussi le secret. Voilà. Bon, les manches, c'est pareil. 80 Darius Unrare, 64 Shadow of Evil. Et 51 pour The Giant. Voilà. Du coup, rien de plus à dire pour cette vidéo de passage au prestige 10. Eh ben oui, c'est passé vite, hein. Très très vite même. Du coup, j'espère vraiment être Prestige Master avant la sortie de Zetsubou no Shima qui sort pile dans 2 semaines. Et ouais, on est mardi, il sort du coup dans mardi dans 2 semaines.
Normalement, ça devrait le faire, hein. Surtout que là, je suis en vacances. Un petit prestige, ça va le faire, hein. Tu vas sur Dark Zone Drache, tu fais la strat, et ça va tout seul, même sans le double XP, tranquille. J'espère du coup que ça vous a plu. Comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Du coup, la prochaine fois, pour le passage au prestige Master en zombie, il y aura un gameplay. Je ne sais pas sur quelle map, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais il y aura un gameplay. Sur ce, bye tout le monde! Oh yeah!